Bonjour, bienvenue à tous. On est en Russie pour ce match de Coupe du Monde aujourd'hui. Vous êtes bien installé, Pierrot, on peut y aller? Oui, c'est vrai, bien installé. On est prêt à vivre un bon match. Un match de l'équipe de France qui aujourd'hui affrontera le Pérou. Je ne t'ai jamais posé la question, Hervé, mais c'est quoi ton plus grand souvenir de Coupe du Monde? Fatalement, l'équipe de France 98, une petite mondiale à titre personnel. C'est plutôt la Coupe du Monde 94, qui a été la première que j'ai couverte sur le terrain aux États-Unis. Et ça a été un grand moment, même si le but n'était pas. Vous abonner. YouTube, mettez des pouces, partagez, abonnez-vous, laissez des petits commentaires aussi, ça me fait plaisir. Yekaterinbourg Arena, qui est en sa forme initiale, date des années 50 et qui a accueilli des épreuves d'athlétisme et de patinage artistique. Tu savais ça, Pierre, bien entendu. Alors, Hervé, non seulement je ne le savais pas, mais en plus, je m'en tamponne d'une force. Et il n'y a pas un club qui joue là? Alors si, mais on ne peut pas dire qu'il fasse partie des légendes du foot russe. Vas-y, dis. Le FC Oural. Ah ouais, je te confirme, ça ne fait pas partie des légendes. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2 disons plus classique. Notre réalisateur vous propose les 11 titulaires péruviens qui vont débuter cette rencontre. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif un bras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Le coup d'envoi de ce match qui est donné à l'instant. Allez, l'arbitre a fait signe, un petit coup de sifflet, c'est parti. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. C'est dans le paquet pour Giroud. Il vient pousser son gardien, il faut bien rester vigilant. Ce sera une touche. En mise en jeu. Effectué très rapidement. À dégager pour écarter le danger. Jefferson Farfan. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Le centre à destination de ses partenaires. Pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Ouais, grand jeu sur cette tête. Un beau ballon donné de la tête. Il s'avance vers la surface. Frappe de Griezmann. Oh là, un petit peu ambitieuse, là, peut-être la volée. Oui, alors, tu vois, là, tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Monsieur Mercatoum, Thomas Lemar, et ce ballon qui est perdu. Olivier Giroud. Oh, le but! L'ouverture du score! Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir son premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Le buteur, il a laissé aucune chance. Le gardien. Ça se demandait comment il peut se retrouver à cette distance avec le ballon. Une grosse erreur de marquage. Les Bleus qui font la course en tête dans cette partie. Samuel Umtiti qui avait bien anticipé. On s'approche du but. Olivier Giroud. Bon, attention, c'est pas fini. C'est dégagé en corner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Kylian Mbappé. Et c'est but, encore un autre but.
pire, on revoit ce but au ralenti. Il a bien pensé avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action, c'est un but plein d'opportunisme. On revoit ce but d'un autre point de vue. Ça fait 2 buts à 0, il domine les débats. Hein. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le premier. Oh là, on y a cru un court instant, mais ça frôle le poteau. C'est vrai qu'on l'a vu ajuster sa tête bien comme il faut, mais c'est le premier surpris à avoir passé le ballon à côté du cadre. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Kylian Mbappé. C'est un centre. Attention. Tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. On voit bien sur ces images que, en plus, c'est pas de son meilleur pied. Oui, enfin ça, c'est ce qu'il prétend. Hein. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. De façon farfane. Renato Tapia. Alors c'est le format de la compétition qui veut ça, mais les deux équipes ont tout à perdre et tout à gagner dans ce. C'est le face-à-face avec le gardien. Il faut qu'il centre là. C'est dans le paquet pour Giroud. C'est pour le gardien. De façon farfane. Carrio. Le ballon maintenant dans les pieds de l'équipe de France. Ah, peut-être une situation intéressante là. Sans problème, pour le gardien ce centre. Paul Pogba. En position idéale pour centrer. Oh, la belle passe. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Paul Pogba. Oh, attention Giroud. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Il lui donne ce ballon de la tête. Il s'est traversé par Tonnerre. Neymar. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ouais, pas de prise de risque. Ballon dégagé. Il cherche. Elle la voilà. À la frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Un dégagement sans fioriture, un long ballon en touche. Direct Célibé. Allez, ils vont jouer la touche. Vargas. L'attaque est propre. Le ballon choisit la frappe. Oh, le but! Le gardien qui est battu. Et c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Il semble prendre un avantage quasi décisif.
chez Marc-Antoine. Cario. Renato Tapia. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. On s'approche du but. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Thomas Lemar. Cameroun Titi. Pour Griezmann, ce centre. Énorme occasion. Le joueur qui a bien défait du marquage, mais il échoue un petit peu dans son dernier geste. Sidibé. Mbappé, Mbappé en bonne position. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. La bonne tête. Durant Sidibé. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Allez, Pogba en bonne position. Oh, il va pas frapper. Pogba. Neymar. Le ballon avec un tir. Oh oui! Aucune chance au gardien à bout portant. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. Le match est déjà plié à la mi-temps, hein. C'est mieux plié que dans une armoire. Et Sadio Nkula. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Olivier Giroud. Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va centrer? C'est dans le paquet pour Giroud. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. On voit les chiffres de Antoine Griezmann. Très bon match hein, du Mâconnais. Il prend sa chance. Et ça continue. Au corner. Il a l'air touché. J'espère que c'est pas trop grave. Il va devoir sortir. Là, il n'y a plus le choix. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Et la tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là, on a été plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Hein. Allez, 45 minutes de jeu dans ce qui n'est que le deuxième match hein, pour ces équipes dans cette Coupe du Monde. Il n'y a pas photo pour l'instant. Ouais, on voit quasiment qu'une équipe sur le terrain et elle domine tous les compartiments de jeu. Je vois mal comment elle pourrait être inquiétée aujourd'hui. Les joueurs qui sont revenus du vestiaire, c'est reparti pour la seconde période. Avec des changements, ouais, non. Ah, c'est où j'ai mis ma liste. Renato Tapia. Ah, bien joué, les Bleus ont repris la balle. Ouais, bien joué, la passe en profondeur d'Olivier Giroud. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Gauchez Mario Tourne. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un... Le face-à-face avec le gardien. La frappe. Oh oui, très bonne intervention du gardien. Il pose son ballon pour ce corner. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je l'ai trouvé bon, moi. Je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Allez, pleine surface, le corner. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Ah, il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Ouais, la Lutea après un peu reprendre ce ballon. Attention à la frappe. Oh oui, le but. Oh, le but pour les Français. Tiens, le but sous un autre angle, Pierre, regardez comme c'est beau. Ah, c'est surtout la trajectoire du ballon, Hervé, qui est intéressante. Regarde l'inclinaison du pied au moment de la frappe. Puis regarde comment il arrive à brosser ce ballon. C'est vraiment magnifique. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant.
C'est Mario tourne. Elle lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Mbappé, les bleus à l'attaque avec ce ballon. Attention les vigiles. Oh non, oh, il n'y avait plus que le gardien effacé. Ouais, il s'est un peu désuni au moment de la frappe. Ça manque de concentration, ça. Personne pour arrêter Griezmann. La frappe de Griezmann. Allez, il faut bien le tirer si possible. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Et c'est sans problème pour le gardien. Oui, aucun souci pour capter cette tête. Les 30 derniers mètres. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Oh, le ballon au fond du filet. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but personnel. Superbe performance personnelle. Joli triplé en effet. Il va peut-être pas s'arrêter là. Hein. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Une frappe lointaine, on sait jamais. Et on va y retourner. Nouveau corner. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. To be replaced by number 22, Benjamin Mendy. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Regardez qui peut faire écarter du point sur ce corner. Allez, re-re-corner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Le dégagement pour éloigner le danger. L'équipe de France qui part à l'attaque. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Mbappé. Griezmann. Oh, attention Giroud. Oh, le but, le gardien qui est battu. Ça fait du bien pour la confiance hein, de marquer des buts comme ça. C'est sûr qu'une belle reprise de volée, c'est toujours spectaculaire. Ah, c'est un des gestes les plus purs du foot. Hein. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Paolo Hurtado. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Un ballon facile pour le gardien. Ah, la tête n'est pas assez bien placée. Samuel Umtiti. Ah, il continue, tombe bas. Paul Pogba qui a du soutien. Elle la voilà la frappe. On s'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, on peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Renato Tapia. Oh oui, encore une bonne passe. Oh, non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais, bon mouvement amorcé par les bleus. Ah non, ça donnera rien, le ballon était donné trop fort. Oh le but, le gardien qui est battu. Un but qui fait du bien pour l'équipe de France. Un but en deux temps, un peu chanceux certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Il va y aller. Oh oui, elle est dedans.
peine d'entrer en jeu. Et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. L'enchaînement parfait sur ce but. Ouais, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Renato Tapia. L'action qui se poursuit. Ouais, l'arbitre estime qu'il y a avantage. Vargas. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Le ballon qui change de possession. Samuel Umtiti. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Jefferson Farfan. Carillo. Farfan. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Attention les Vigéros. Avec un tir. Ouais, le gardien qui sauve son équipe sur cette action. C'est super bien joué de sa part. Pourtant, c'est pas facile de gagner ce genre de face à face. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Oula, tout le monde pensait qu'elle était au fond. Et il n'a pas réussi à cadrer cette tête. Ouais, puis je fais partie du lot parce que je l'avais senti plutôt appliqué. Ah, c'est trop tard, hein. Vraiment trop tard pour eux. Le score qui ne bouge plus. On approche de la fin du match. La cause est entendue. Oh, attention, Giroud. Oh, oui, le but. Oh, le but pour les Français. On voit que le gardien touche le ballon, il était pas loin de l'arrêter, mais il n'y est pas arrivé. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Joueur français qui a repris le contrôle du ballon. Renato Tapia. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Griezmann, c'est une balle de but ça. Ça part bien, action dangereuse. Non, non, pas de souci pour le gardien. Sortie de but. Corentin Tolisso à l'interception. Mbappé en bonne position. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. 4 minutes, ce sera le temps additionnel. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Est-ce ce ballon qui traîne? Il cherche. Oh, la bonne occasion pour Olivier Giroud. Oh, le but! Qui est battu. Ouais, je crois qu'on peut dire que le match est plié, hein, Pierre. Oui, Hervé, ce qu'on pensait se confirme. Il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit.
Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Il y a chez Mario Thun. Renato Tapia. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ballon rendu à l'adversaire. Et voilà les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini. International français, Olivier Giroud, qui était aligné à la pointe de l'attaque pour ce match. Il a signé un grand match, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Un véritable festival offensif qui a permis en plus à son équipe de s'imposer. Il n'y a pas eu de match, hein, vraiment. Il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui. Mmh.
Martini. Allez, c'est parti. Danemark.
Si vous pouvez jouer dans le chat sur Twitch. Faites ça, bête 12. Normalement ça passe. Allez, c'est parti. Ah, on sent l'intensité, hein, montée d'un cran à l'approche de ce match avec l'équipe du Danemark contre la France en direct du stade Loujniki ici à Moscou. Bonjour à tous. Heureux de te retrouver pour cette rencontre de Coupe du Monde. On est en Russie, hein, aujourd'hui. Eh oui, bonjour Hervé, bonjour tout le monde. En espérant voir un match spectaculaire avec du jeu, des buts, de l'ambiance, bref, tout ce que j'aime. Dans cette rencontre, le Danemark affrontera la France. Ce stade, qui est supporter de l'Olympique de Marseille, on garde un mauvais souvenir. Il n'y a pas que l'OM, moi aussi, hein, parce que. Bon, là, Marseille a perdu 3-0 contre le Parme de Turin et le Gofflin. Au moins, j'avais 42 fièvres pendant ce match. L'une des trois finales européennes perdues par l'OM, avec celle contre l'Étoile Rouge et contre le FC Valence. On cherche Griezmann. Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Et le gardien qui sort par le ballon. Ouais, tranquille, sans souci. N'Golo Kanté, il a été bien placé pour intercepter cette passe. Attention, c'est peut-être une occasion de but là qui se prépare pour le Danemark. Ouais, lumineux cette passe. L'action de la passe était trop appuyée. Et c'est un corner pour la France. Non, ça va bien vu. Je ne vais pas parler sur le chat, tu vois, c'est pas tiré dessus. Allez, pleine surface, le corps. Raphaël Varane et le ballon bloqué par le gardien. Voilà, contrôle raté. Il avait bien senti le coup. C'est chaud, ça. Monsieur Poulsen. Direct Sidibé. Allez, on va bien jouer la passe en profondeur de Giroud. Qui dégage son quart de deux points sur ce centre. Ça joue sur le côté, avantage. Il a préféré dégager ce ballon. L'équipe visiteuse, elle a un nouvel objectif dans ce groupe. Et cet objectif, c'est tout simplement la première place du classement à Pierre. Bon, tout le monde sait qu'un petit point leur suffirait, mais bon,
en terminant à la première place, il pourrait aussi éviter un gros. Donc, l'heure est au calcul. La passe est interceptée. En profondeur, oui, bien vu. Il est très fort ce ballon. Ça ne pouvait pas fonctionner. Pierre. On revoit cette tête superbe, Pierre. La mine parfaite, en vrai, très bon. C'est sur le tour français qui va le score de ce match. Christian Eriksen. La faute, carton peut-être. J'ai juste à parler sur le chat, hein, surtout. L'enjeu de cette troisième journée de premier tour, Pierre. Ouais, on va surtout espérer qu'on va éviter les équipes trop calculatrices. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Daniel Vaz. Ouais, danger peut-être sur cette attaque danoise. Ah non, c'est pas bien fait ça. Antoine Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. En tout cas, sur le but, en fait, la nette domination de cette équipe en termes de coach. Et à ce point supérieur techniquement. Ça fait 2 buts à 0, pas du tout de bas. Avenir entre l'attaque française. Le centre, Giroud pour le reprendre peut-être. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Qui a à peine à son premier pour se saisir du ballon. Non, elle a été interceptée cette passe. Il donne un ballon piqué. Non, elle a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Du coup, parce qu'il y a la défense. Attention, ça peut être dangereux. Ah, c'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée, ça fait des mètres. La touche. Jorgensen. C'est le face à face avec le gardien. Le centre qui se rend pour le gardien. Tranquille. Youssouf Poulsen. Est-ce qu'il va prendre un avertissement? Qui reçoit un carton jaune pour cette intervention illicite. Mais attention maintenant, parce que ce serait bête de se faire expulser. Ouais, très bien contrôlé ça. Ah non, ballon perdu. Kylian Mbappé. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Allez, il y a un contre à jaune. Carton, le danger des points. Kylian Mbappé. Antoine Griezmann. Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Et l'équipe de France qui obtient un corner. Allez, pleine surface. Le corps. Paul Pogba. C'est sans problème pour le gardien. Oh, superbe contrôle. Il peut enchaîner.
Christoff Poulsen. Daniel Vaz. Eriksen. Non, non, ça ne passe pas. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Et il a un boulevard, attention. Ouais, bon. Très belle tête, hein. Magnifiquement placée. Et cette superbe top qui finit au fond du filet. Ah, le pauvre gardien, il s'est retrouvé seul face aux deux attaquants, il n'avait aucune chance. Hein. Oui, à partir du moment où le premier l'a fixé pour le décalage, il n'y a plus rien à faire, c'est imparable. Ah, clairement, ce match tourne après, à l'avantage. Belladé. Premier passe. C'est bien rendu un peu. Ouais, bien joué, la passe en profondeur de Olivier Giroud. Il prend sa chance. Et le but! Le but pour l'équipe de France a signé Kylian Mbappé. Mbappé qui est en train de confirmer tous les espoirs qui sont en lui. Ah, les défenseurs qui ont intérêt de ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à deux buts. Eh bien, il ne leur aura suffi que d'une mi-temps pour plier complètement ce match. Alors que le quatrième arbitre a dit qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Non, elle est interceptée cette passe. Attention, il n'y a plus que le gardien. Non, qui dégage son camp de 2 points sur ce centre. Bonsoir, bienvenue. Tu dois pas laisser le chat. Le corner donc. Un petit mot sur la prestation de Griezmann, très réussi jusqu'à présent. Oui, il a de très bonnes stats hein, d'ailleurs. Il a touché beaucoup de ballons, il a essayé de transformer en occasion et effectivement, ça a payé avec ce but. Une belle prestation dans l'ensemble. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, c'est la mi-temps, Pierre. Après une période, on a vu vraiment des joueurs survoler leur sujet et des adversaires qui ne sont pas du tout. Ouais, maintenant. Ouais, lumineux, c'est. Voilà, la mi-temps est terminée. Le match va reprendre le troisième pour ces deux équipes dans leur groupe. Dans pas longtemps, on va passer aux choses sérieuses. Les huitièmes. Daniel Vaz. Les Danois qui vont pouvoir tirer un coup franc. Direct Silibé. Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Le ballon qui frappe la transversale. Oh, qui sort en sortie de but. Transversale. Eriksen. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah non, c'est pas bien fait ça. Le face à face avec le gardien. Le spray, la frappe. Oh le but, le gardien qui est battu. Et pour une fois, il a marqué de son pied le plus faible. Hein. C'est peut-être ça qui a surpris le gardien, d'ailleurs. Hein. Il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il frappe aussi bien dans cette position. Ah, le match qui a clairement tourné. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La frappe. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Le gardien qui va sortir. On cherche Olivier Giroud dans la peau. Choisit la frappe. Eh oui, elle arrivait. Encore le gardien, putain. Bien capté. N'hésitez pas à parler dans le chat, hein, ça peut être fou. À soutenir, à faire des dons. Tom Pogba, le combat. Attention, ça peut faire but. Voilà, parade exceptionnelle du gardien. Sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses.
Kylian Mbappé. Pogba, un tir lointain. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. On va y avoir un changement côté danois. Kylian Mbappé, c'est dans le paquet pour Giroud. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. L'équipe de France qui obtient un corner. Olivier Giroud va laisser sa place. Je trouve qu'il a fait un match assez intéressant avec un but à son actif et une action où il a manqué de chance puisque son ballon est venu s'écraser sur le cadre. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Direct Sidibé, ça part bien, action dangereuse. Et ça donne ici. Il y a pas mal de monde pour le presser. Tenez le basse. Non, elle est interceptée. La bonne conduite. Et la frappe d'Antoine Griezmann. On va repartir sur un corner. Ouais, carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. Ouais, ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Oh là là, quel manqué, mais... Ah, il en a sûrement mis des plus compliqués à l'entraînement, là, là. C'est clair, qu'est-ce qu'elle est moche, cette tête. La bonne tête. Allez, par-dessus, pas mal. Oh, le bel arrêt. Ouais, magnifique. Bien joué, le gardien. Corner encore, ça pousse pas mal en ce moment. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Ah, c'est dégagé, on se sent quand même. Il n'est pas oublié dans ce match, Christian Eriksen. C'est ce que confirment les statistiques que vous voyez à l'écran. Je le trouve assez décevant dans ce match, il a... Il suffit d'ailleurs d'observer ce qu'il a tenté jusqu'ici. C'est insuffisant pour représenter un danger pour le gardien adverse. Maintenant, attention, hein, parce que ses coéquipiers comptent quand même sur lui pour revenir au score. Ça va pas complètement passer au travers. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Samuel Umtiti. Il prend sa chance. Et il est parti sur le but. Il a complètement manqué le plus important finalement, le dernier geste. Ouais, je crois qu'en fait il a trop voulu en faire. Attention, il a du champ devant lui. Griezmann, c'est une balle de but ça. Ouais, Antoine Griezmann qui marque pour l'équipe de France. Et il est content, Griezmann, il va nous faire une petite célébration sympa, je le sens. Et ça fait deux buts, superbe doublé pour lui. Tiens, regardez, un doublé dans le début pour apprécier ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre le favori n'a pas déçu. Oui, ils étaient attendus pour ce match. Le score est tout à fait logique. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Tenez basse. Jorgensen. Les Danois qui vont peut-être créer le danger.
Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. Le gardien qui va sortir. Ouais, c'est pas fini encore. Oh, quelle occasion! Mais quelle occasion! Quel raté surtout! Ouais, là, c'est un cadeau qu'il lui a fait, il était tout seul là. Ouais, parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh, le grand danger! Il y en a un qui sauve ce qui peut encore l'être. Ouais, c'est un peu lourd, ça fait encore un fini. Ouais, la tête, c'est bien vu. Neymar. Oh. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Il a tenté le ballon par-dessus pour Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé. Dembélé. La passe est interceptée. Oh, le bon ballon pour Griezmann. En but. Et ça fait donc 3 buts hein, pour Antoine Griezmann. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui. C'est rare le coup du chapeau. Et sur ce match, je ne fais plus aucun doute désormais. La dernière minute avant le temps additionnel. Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel en plus. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y, on va faire monter le gardien. L'arbitre qui laisse le mur avancer un peu. L'arbitre qui sort le carton jaune. Ouais, le mur n'est pas à distance réglementaire. C'est pas bien futé quand même, parce que maintenant avec le spray, ça se voit. Hein. Ouais, je sens qu'on va changer de tireur dans cette équipe. C'est quand même très très mal tiré ça. On a l'impression qu'il a changé d'avis au dernier moment. Ouais, les supporters qui chantent, qui veulent montrer qu'ils sont là également. Ils savent que les joueurs sont en train de donner le max hein, sur la pelouse. Ils s'avancent vers la surface. Josef Poulsen. Non, elle a été interceptée cette passe. Il tacle. Ça y est, cette fois, c'est le ligne finie. Petit fait final de l'arbitre. Voilà. Ouais, c'est là-dessus. Un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Griezmann. Ouais, on se dit à demain. Vous n'avez plus personne de toute façon. On se dit à demain. Bisous. Tchou tchou. Et à demain.